ça, c'est parfait. Quoi. Les vieux sangliers qui ont, qui ont pris le temps de vieillir, voilà. Ah, ils vivent là toute l'année, alors ils les voient bien. Position, good. Position, perfect. Larousse, Kappa, Kappa. Daniel, il y a un sanglier qui vient de sortir, mets-toi en position, traîne pas. Daniel, tu le vois, il est à gauche. C'est quand tu veux. Eh oh, ils rougent comme des, hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Ils sont en roue libre, il n'y a pas de problème. Ça, ça me plaît pas quand ils font du roue libre comme ça, là. Bon, là, c'est quand même un peu tendu, quoi. C'est des petites descentes, il dit Daniel. Oh là, tu vois pas le gaz qu'il y a? Là, il va mettre une vitesse parce que je t'ai garanti que ça descend. Là. Mais... nos problèmes? Problème. Non mais là la roue libre c'est quand même pas le bon plan. Mais si, mais t'économises de l'essence. Ouais, c'est pas de la tarte hein. Bah, la voiture vient de nous déposer à l'instant. On a pris vraiment des pistes pour arriver au fin fond d'une vallée. On a donné rendez-vous au chauffeur demain matin, ici même endroit. Et au niveau de la chasse, c'est parfait. Quoi. Les vieux sangliers qui ont eu le temps de, qui ont pris le temps de vieillir, voilà. Et on les retrouve pas partout hein, ces sangliers-là. Écoute, fantastique! Des abricots sauvages, mais excellent. Daniel, tu pourras en laisser quand même pour les sangliers? Ouais, mais t'inquiète pas, il y en a sur l'arbre. Donne-moi ça, hein, pourquoi tu veux pas m'en donner? Ah bah, attends, je vais les garder pour moi. Alors, tu veux en manger, mais tu veux pas que je les ramasse, hein? Oh, t'aimes presser tout le temps. Oh, c'est complètement évident hein, que les meilleurs renseignements, c'est avec les locaux. Hein. Ah, ils vivent là toute l'année, alors ils les voient bien. Hein. Le vent, c'est important. Ah, mais c'est primordial. Moi, si on n'est pas à bon vent, moi, je reste pas là. Là, c'est sûr que le vent est en travers. Donc il faut être là, sur le mamelon. Le local il nous a dit que c'était ici que ça se passait. Et là, ça va nous ouvrir ben, une vue bien dégagée là sur cet axe ici, là où on va couper les quelques branches. Et après, il va y avoir cet arbre-là, celui-là, et là, ceux qui sont ici. Et puis là, on les tire comme une fleur. Là. Une place et un endroit qui s'offre à nous ici ce soir pour venir faire de la régulation et du tir. Là, il faut amener quelques bottes de foin. On s'assoit derrière, puis terminé. Ce soir, j'ai grand espoir que ça fonctionne. En tout cas, avec Daniel, je pense qu'on est au bon endroit. Les toutes sont mûres et les sangliers vont être au rendez-vous, c'est sûr. Ça me rappelle l'Alsace. C'est comme ça que je préparais tous les postes. Les gars étaient surpris de me voir faire. Le résultat, il était là, quoi. Bon, je suis habitué hein, avec l'Alsace, mais là, c'est une autre dimension. Les arbres. Si c'est pas la première, c'est la deuxième motivation pour venir ici. Hein. Ici, il y a les espèces vraiment adaptées au climat qu'on risque d'avoir dans les prochaines années, c'est-à-dire un climat chaud, sec en été, et quand même froid l'hiver. Faut pas oublier. Continental. Post good. Very good. Position good. Position perfect. Good hunting. Inch'Allah. On vient juste de terminer le poste. On a franchement une vue là qui est simplement incroyable pour passer la soirée juste à l'abri de ce petit sorbier. On a mis ces bottes de foin là pour nous mettre à couvert. Qu'est-ce que t'en penses Daniel? Oui, je te dirai ça le matin. Hein. Déjà on va être ensemble. Oh. Mais ça c'est un bonheur. Normalement on devrait voir des animaux. Première. Est-ce qu'il y aura celui qu'on veut? Pour tirer le gros, faut pas tirer le petit. Mais le gros il va venir, j'en suis sûr. Oui, j'y sens bien parce que le vent se calme. Et puis là on surplombe tous les arbres fruitiers. C'est incroyable, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on se met en position, on arrête de bouger. Daniel, tu le vois? Il est à gauche. Attends qu'il soit de travers. Il y a 120 mètres, te presse pas. On a tout notre temps. Écoute, tu peux y aller quand tu veux. Là, il est pas mal. Là, il est gros, hein. Il est énorme. Very good shoot. Big ball show. Yes, ultimate ball show. Allez, on va au résultat.
Yes. Allez. Il est énorme ce sanglier. Il fait 200 kilos. Voilà. Oh, chimbocho. Bah. Je pensais pas en tirer un si gros tout de suite. Hein. Ah, en plus, il a le poil court. Mais regarde, pour l'épaisseur. Comme il est gros. Mais t'as vu ça? Bah, là, il fait ouais, 5 cm. Attends, bouge pas. Une demi-heure de chasse. Bon. C'est le rêve ou pas? Ah bah là, c'est... Honnêtement, ouais, royal, royal. Tirer un sanglier comme celui-là, là, ce oui. soir, mais alors en plus... Ah oui, oui, puis vraiment au début, au tout début de la chasse. Ce qui est extraordinaire, c'est surtout la balle que tu lui as mis parce qu'il est resté sur place. T'as vu un peu, hein? Non, mais... Je te rends les honneurs. Mais il doute de moi, il non. doute de moi. Mais si, tu doutes de moi. Side. Mais si. Un scandale. Allez, on y va. Larousse, Capa. Daniel, il y a un sanglier qui vient de sortir. Mets-toi en position, traîne pas. Il va pas s'arrêter. Hein. Donc si il marque un temps d'arrêt, il faut y aller. Je l'ai dans la croix, oui. C'est quand tu veux. Il y est, parfait. Oh, il sera pas allé loin avec la balle qu'il a. Le tir est parfait, Daniel, bravo. Daniel, il est un peu impatient de descendre ce matin pour aller voir son deuxième coup de carabine de la nuit. Là. Allez voir, je pense qu'il a pris une bonne balle, mais difficile à voir. Aujourd'hui, c'est top. Extraordinaire, on a une belle chasse. Le poste hier soir, la préparation du territoire, on arrive sur une zone qu'on ne connaît pas. Ah bah oui. Mais là, bien indiqué par le paysan. Hein. Quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il y avait une montagne, ce sanglier. Là, c'est vrai que t'as pas hésité, heureusement, parce que t'as vu. Ah ben, j'ai un coup d'y mettre. Non, mais j'ai envoyé à la balle, parce que autrement il disparaissait, puis c'est fini. Hein. Parce qu'il mangeait pas, celui-là. Hein. Non, il mangeait pas, il se baladait. Hein. Il dit là, s'il saute, il y a les barres rocheuses dessous. Là. Regarde la barre où elle est. Elle est à 10 mètres. 300 mètres. Down. Yes. River. No good. Ça, honnêtement, c'est vraiment un très grand sanglier. Mais là, le découvrir là ce matin, maintenant, comme il est là, un doublé de sanglier gigantesque. On va le sortir pour mieux le voir. Voilà, allez. Et je peux dire que ça va pas être une mince affaire parce que. Ça marche. Mais il fait ses 200 kilos. Je voyais à travers. La thermique. Ah. C'est une soirée qui était extraordinaire. Les préparatifs pour la position de tir, le biotope, tout l'environnement. Le sanglier qui est arrivé plus tôt que prévu, alors qu'on ne s'y attendait pas, c'était magique, quoi. C'était fabuleux. Et puis l'autre qui est arrivé 2 heures après, c'est exceptionnel. Exceptionnel. 2 sangliers incroyables. Tu sais quoi, Daniel, il a fait une chasse exceptionnel à 70 balais. Je peux te dire qu'il a assuré dormir dehors comme ça, c'est toujours pas évident. Écoute, Daniel, je te rends les honneurs avec les fruits que ces sangliers viennent manger ici au Tadjikistan. Merci. Et c'est sympa. Et félicitations à toi. Allez, merci. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.